Du coup, je pense qu'on peut changer la présentation. Là, ça fait quelques semaines qu'on a la même. Ouais. Et puis, faut qu'on fasse un post Instagram et puis Facebook. Ok. Ici, on est chez Vertical Passion. C'est un magasin de montagne. À la base, c'était pas mon premier choix. Et au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Et puis, bah, je me suis retrouvée ici. Et puis, c'est vraiment... Enfin, je fais beaucoup de montagne. Et du coup, c'est vraiment là que je voulais être. On a le même âge, donc c'est hyper intéressant. On s'entend très bien. Et puis, ça apporte beaucoup aussi, bah déjà d'être deux filles dans un magasin, je trouve que c'est bien quand il y a les deux genres. Et puis, elle m'apporte beaucoup du fait qu'elle pratique beaucoup de montagne. D'habitude, on a une apprentie à la fois. Et puis, Pauline s'était présentée, elle cherchait du travail dans ce métier. Elle fait de la grimpe, elle fait de la montagne, elle fait du ski de rando. Et puis, voilà, le courant est passé. Et puis, on s'est dit, bon, bah, on essaie avec deux, quoi. Au début, on n'était pas très sûr que c'était une bonne idée, mais en fait, ça s'est super bien passé. Et du coup, elle a beaucoup plus d'expérience pour ce qui est matériel. Des fois, elle m'aide beaucoup et puis on compense parce que j'ai tout ce qui est théorie du fait que je suis en troisième année. Il y a peut-être d'autres choses aussi plus à l'aise. Et puis, c'est vraiment intéressant de travailler à deux comme ça. On peut répéter les cours ensemble. Comme ça, ça lui fait aussi une révision pour son examen final. Et puis, bah, c'est tout bénef pour nous deux. Ouais. Ça, c'est quand même trois couches. C'est quand même considéré comme du trois couches, oui. En fait, le trois couches, c'est cette petite, la troisième couche, c'est cette petite tressage qui est collée, ouais, soudée sur la membrane et ça la protège. Avec Martial, on a une relation de totale confiance. Je fais les choses un peu comme je le sens et après, si j'ai besoin d'avoir une revérification, eh ben, il sera toujours là pour revoir. Tout le monde s'occupe un peu de tout le monde, c'est un peu. Il y a un côté comme ça, à la fois désorganisé puis organisé. On amène des conseils, ça c'est sûr, beaucoup au début, puis après de moins en moins en fait. Ben, elles se transmettent aussi beaucoup de choses parce qu'elles sont les deux passionnées. Donc elles se transmettent des infos de ce qu'elles font à l'école en troisième, en première année, et puis ça amène plein de choses. Et puis après, tout le monde fait tout, ça veut dire que chacun a ses petites responsabilités de secteur, on s'est donné chacun des secteurs. Et puis chacun est responsable de faire fonctionner ce secteur-là, mais après, tout le monde fait tout. Du coup, en tant qu'apprenti, ça fait qu'on gère quand même beaucoup de choses, mais du coup, c'est super intéressant. Ça peut être parfois stressant, parce qu'il suffit qu'il y ait du monde, ben, on doit gérer un client tout seul, on n'a pas forcément de l'aide, et puis on doit apprendre un petit peu à se débrouiller. Mais après, ça vient avec l'expérience, hein. Plus on fait d'erreurs, plus on apprend, on va dire ça comme ça.